Dans les années 60, nous avons connu la production de masse, les objets, les artisans quittaient, enfin, disparaissaient, et ne disparaissaient pas, mais disons que les industriels commençaient à produire pas mal d'objets, et entre autres à faire des tentatives avec des nouveaux matériaux tels que le plastique. Jusqu'à présent, l'orange, dans les matériaux classiques, le bois, était difficile à obtenir. C'était une teinte qui était difficilement reproductible. Or, la matière plastique, avec les nouveaux pigments, la chimie, permettait une bonne perméabilité de la couleur. Et d'où l'émergence de teintes relativement fortes. Il y a eu l'orange, il y a eu le vert pomme, il y a eu le jaune également, il y a eu l'orange, mais dans toute la largeur de son expression, aussi bien des jaunes clairs, des jaunes allant du... Pardon. Allant du jaune clair aux oranges clairs, allant aux oranges plus foncés, et pouvant aller jusqu'au rouge. Donc c'est vraiment cette nouvelle technique, le plastique, qui permettait vraiment aux pigments de pénétrer la matière. D'où cet orange qui a été extrêmement décliné. Bon, ça c'était, on pense, une des premières explications. Il y avait également ce qui exprimait cette couleur. Les mobiliers qui étaient réalisés avec la matière plastique avaient toujours quand même relativement des formes rondes. Il y avait aussi la finition qui n'était pas la même. On passait de finition relativement mate avec le bois, et là on passait à des finitions très brillantes. Donc le langage polychromique, évidemment, sous-tendait d'autres envies, ça c'est clair. Les teintes n'apparaissaient pas du tout de la même manière. Donc des teintes relativement fortes permettaient d'avoir une bonne relation entre la finition brillante, entre le matériau, entre les formes relativement rondes et la puissance polychromique que cela exprimait. Également, cela correspondait aussi à tout un mouvement de l'époque, toute cette notion de liberté qui s'exprimait. Il y avait une façon de bousculer un petit peu l'establishment. Nous venions d'une période assez beaucoup plus rigoureuse, le Bauhaus, et là, du coup, il y avait une forme de liberté, de joie. Cela aussi bousculait certains codes. Il y avait un côté aussi assez jubilatoire, assez gustatif, assez sensuel de cette couleur. Sur le plan psychologique, je crois que l'orange représente la couleur du renouveau, dans la mesure où c'est une couleur qui pourrait être associée aux forces vitales. D'abord parce que c'est un mixte du rouge et du jaune, hein, le jaune qui est la couleur solaire et le rouge qui représente, sur le plan psychanalytique, la couleur des pulsions, hein, à la fois les pulsions de vie, la sexualité et aussi la destructivité, l'agressivité. Donc dans cette association du jaune et du rouge, il y a véritablement quelque chose de vital, de pulsionnel, qui donne, comme si on avait envie de mordre la vie à belles dents. Alors on peut bien le lier effectivement à cette identité des années 60. Ça me paraîtrait une première idée force pour comprendre l'engouement qu'il y a pu y avoir à cette époque autour de cette couleur. Alors, si on regarde un peu la lignée associative de l'orange, on peut voir que d'abord ça renvoie au fruit, et ce fruit orange est associé à la féminité. Alors c'était le cas d'abord d'une des publicités de l'époque, pour moi garçon, pchit citron, pour toi mon ange, pchit orange, c'est la fille, l'orange représente la fille, c'est la rondeur, et puis ça renvoie plus archaïquement au sein maternel. L'orange, la forme ronde, renvoie finalement à la forme du sein et le côté de la pulsion orale, hein, de la sexualité orale qui est liée à cette question de l'orange. On a envie de manger l'orange, de la manger, de la prendre dans la bouche et en même temps de mordre dedans. Donc à la fois on voit les deux mouvements, hein, l'envie qui est sur le plan de la partie plus sexuelle et puis l'envie de mordre, hein, puisque l'orange, on a envie de la dévorer, de la manger.
Alors là, il me vient une association avec ce que me racontait mon professeur français, justement dans ces années 60, qui était une anecdote qui nous avait beaucoup marqué dans la classe du lycée où j'étais, à propos de Victor Hugo. Victor Hugo à Jersey, il nous le présentait comme une force de la nature, quelqu'un qui était capable, nous disait notre prof, et ça nous avait beaucoup interrogé, étonné, qui était capable de manger une orange d'une seule bouchée. Et manger une orange d'une seule bouchée, ça représentait véritablement, j'allais dire d'un côté la bouche de l'ogre, qui est capable d'avoir une énorme bouche ouverte qui dévore la vie, et puis en même temps une force de la nature, quoi. Quelque chose qui est véritablement phénoménal d'être capable d'avaler cette orange d'une seule bouchée. Et je crois que là, dans cette image de Victor Hugo, on a bien ce double mouvement de la vie et en même temps de cette avidité que représente l'orage. On a envie de mordre la vie à belles dents, et puis en même temps de cette force pulsionnelle qui est aussi une dimension sexuelle. Sur la domination de la couleur orange dans les années 60, je crois que d'abord il faut éviter cette tentation qu'on a d'avoir une symbolique immédiate de la couleur. Le rouge voudrait dire l'agressivité, ce qui est très triste pour les Pères Noël parce qu'ils ne sont pas très agressifs et pourtant ils sont en rouge. Et en général c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus compliqué les rapports. De même, les rapports entre l'évolution d'une société et une couleur dominante ne sont jamais totalement directs. Ça passe par la maîtrise technique, par un tas de choses. Donc je crois que ce qui est probablement en jeu, c'est la différence de cette couleur par rapport à des couleurs qui étaient jugées dignes auparavant. Pour aller très vite, on sait tous que les couleurs dignes, les couleurs du bon goût, c'était le noir, le gris, le brun, le blanc, c'était la... Ils ont la bourgeoisie qui avait battu la noblesse. La noblesse était pleine de couleurs. Et la bourgeoisie, au contraire, sur un ton un peu anglican, a gagné en imposant des couleurs extrêmement sobres. Et par rapport à ça, il y a sans doute eu le mouvement moderne qui, lui, s'est battu pour des couleurs franches, jaune, bleu, rouge, noir. Et les années 50, avant les années 60, ont commencé à rompre l'espèce de bibles colorées du mouvement moderne en introduisant des pastels, des bleus pâles, des verdâtres, le vert d'eau était très aimé, le jaune pâle. Et si bien que dans ce jeu des différences, il fallait sans doute trouver une autre couleur pour un autre type de produit, un autre type de consommation. Et on avait fait le tour de beaucoup de couleurs franches et pures, il ne restait plus guère que des couleurs impures, et même moralement impures, hein, c'est pas des couleurs très nettes, très franches. L'orange, parmi celles-ci, était une des deux ou trois pistes possibles, pas plus. Et il se trouve sans doute que ça devait assez bien coller avec le matériau du plastique, qui incorpore les pigments dès le moment de sa fabrication, et qui peut se permettre d'avoir quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire une couleur lisse. Les couleurs sont, je crois, jamais indépendantes de la matière. Le Moyen-Âge le savait, nous on l'a un petit peu oublié, mais les Romains aussi avaient des noms différents pour les couleurs suivant leur matière. Là on peut avoir une couleur qui est totalement artificielle, comme le plastique, qui est l'orange. Vous savez, l'orange on l'a découvert en Europe au XIVe siècle, je crois, quand les oranges sont venues, mais avant on ne le fabriquait pas, on appelait ça du rose, je crois, ou un rouge, je ne sais plus quoi. Et ça c'est une couleur totalement artificielle pour un matériau totalement artificiel qui domine. Donc il y a une espèce de logique, à la fois technique et historique, je crois.